Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode de Pokémon version Soul Silver. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et donc on se retrouve peu de temps après le sixième badge, donc on était ressorti de Holyville. Et on arrive donc à... Et on est arrivé jusqu'à Akajou. Voilà. J'ai pas up mes Pokémon, j'ai rien fait du tout. D'ailleurs, il va falloir que je le fasse peut-être. Bah tiens, manière, vu que je vais aller au lac d'Akajou. Ah putain, super, bug de texture direct. Cool le début d'épisode, un bug de texture. On va se faire les dresseurs, donc cet épisode là je pense on va faire le lac d'Akajou pour rencontrer le Léviathan rouge. Et puis on va voir ce qu'on va faire, si je le capture ou pas. Je crois qu'il est niveau 30 en plus, donc il devrait être dans mes niveaux. Ça par contre c'est pas cool. Pokémon, Léviathan. J'ai pas vu ce qu'il envoyait. Mais c'est parti. Ça, j'aurais pu envoyer Varan. Bah c'est pas grave. Ouragan. Oui, maintenant j'ai un support pour ma souris et il fait un peu de bruit. J'ai pas un vrai tapis de souris, il va falloir que j'en trouve un. Au pire, attention. Ça va faire un petit peu de bruit. Ah, parce que sinon il bouge pas avec maintenant, je suis sur un bureau en verre. Et oui, du laser sur du verre, ça fait pas grand chose. Ah bah c'est bon, hop. C'est utilisable. Par contre, il a pris la courage. Ah non, ok, c'est qui m'avait confié au premier. Tout à l'heure. Sablero, un petit coup de surf et ce serait bon. Hop. Bon. Déjà, je tiens à m'excuser pour l'absence assez... comment dire... assez soudaine de vidéo. Bon, là, maintenant, c'est reparti. Maintenant, tout est rentré dans l'ordre. J'ai eu 2-3 problèmes avec mon ordinateur, surtout avec le logiciel de... surtout avec Vegas. J'ai eu un de mes pilotes graphiques qui a été désinstallé sans aucune raison, et je pouvais plus le réinstaller, donc j'ai dû passer les 3 jours à trouver un moyen pour le réparer. J'ai fini par le reboot, mais bon. Là en tout cas, il tourne légèrement mieux. J'ai moins de conneries dessus. Donc franchement, je pense que je peux... je pense que j'ai bien fait. Sinon, changement de programme au niveau du... pour les prochains let's play. Donc, comme vous savez déjà... Même, je vais vous dire rapidement ce qui se passe sur les let's play. Donc on a le let's play sur Crysis qui est en pause. Que je veux pas me remettre, on trouve plus de temps pour se remettre à tourner, faire une bonne série de tournages avec Dark Vortex. Donc la série est en pause,
Après, sur la série de Halo Reach avec Blood Dragon, on a tourné d'autres. Ne vous inquiétez pas, là c'est tourné, les prochains épisodes sont tournés. Faut juste que je prenne le temps de faire le montage et de vous le poster, mais sinon c'est fait. Attends, il vient de me faire payer sans que je dise oui ou non. Ok. Prochaine fois, je leur dirai. Prochaine fois, si je... C'est con qu'on puisse pas choisir là. Parce que moi, j'aurais dit non et je les aurais éclatés. Ouais. Ouais, donc sinon, après, la pizzerie Warhammer de Blood Dragon, il en tourne plus. Ça reste à voir s'il va recommencer. Ça, on sait pas, ça, il sait pas encore, on verra. On en reparlera plus tard. Mais en tout cas, il n'y en aura pas au moins jusqu'aux vacances. Jusqu'aux vacances de février. Qui arrivent bientôt pour moi. Eh oui. Moi, c'est la semaine prochaine. Bah, normalement, vous devriez avoir cette vidéo-là le lendemain où je la tourne. Donc, normalement, vous devriez avoir le lundi. Lundi. Moi, je tourne le dimanche. Et c'est donc pas la semaine prochaine, donc c'est pas à partir de la semaine prochaine que je suis en vacances, c'est la semaine d'après. Je crois qu'on est les premiers à aller en vacances, je suis pas sûr. Sinon, bah, comme vous pouvez le voir, mon Let's Play Pokémon reprend et j'espère va pas se stopper, va pas refaire des coupures comme ce qui s'est passé depuis son lancement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de coupures. Et putain, ils ont sur le con. Point éclair, que leur c'est un Midorina en fait de nom. Non, je garde mon pharaon, faut faire monter niveau 32. Cage éclair. Sinon, à la fin du let's play Pokémon, donc je me lancerai pas directement dans le let's play de Emerald ou Saphir, je sais plus lequel j'ai pris. Je crois que j'ai pris Saphir. Donc je me lancerai pas directement dans le let's play de Saphir. Je pense faire une petite série Minecraft ou peut-être vous faire un spin-off ou des. Je sais pas trop, je pense que je vais essayer de diversifier vraiment, de faire d'une autre manière, mais. Mon planning, le gérer d'une autre manière. Vu que maintenant les Warhammer est en pause, je peux prendre le mardi pour poster un autre let's play. Donc je sais pas si je le laisse pour le moment à Black Dragon. Vu qu'avec lui on prend le jeudi pour post les Halo. Mais vu que le let's play est bientôt fini. Donc on verra bien ce qui est. Ce qu'il en est pour ce qui est pour la suite de Halo. On sait pas encore si je sais pas encore ce qu'on va faire après. Peut-être que lui a une idée. Sinon bah moi comme je vous ai dit après le let's play Pokémon, je verrai pour lancer un autre let's play. Ce sera pas la suite directe des jeux Pokémon, donc Saphir, mais peut-être un petit peu de Pokémon Donjon Mystère, peut-être le début, ou alors une série Minecraft avec un thème particulier, ou peut-être un début de critique, justement. Parce que là, je commence à me remettre à regarder pas mal de films. Donc que vous ayez aussi mon avis sur différents films. Je pense que ce sera bien sûr pas obligatoirement un montage montrant le film, mais plutôt une vidéo peut-être de Warface.
Pour ceux qui connaissent ma chaîne secondaire, ils sont. C'est pas franchement ma chaîne, mais la chaîne avec laquelle, sur laquelle je poste aussi. Ils savent quel type de jeu c'est. Peut-être avec Warframe. Warface, je vous expliquerai ma seconde chaîne tout à l'heure. Mais bon. Donc voilà, donc peut-être avec des images de Warface et seulement de temps en temps avec des vidéos Warface. Et peut-être avec les images du film, des screenshots, des genre. On verra. On n'y est pas encore, je sais même pas si je vais le faire. Mais bon. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préfériez avoir. C'est comme vous voulez, moi je m'adapte. Après, peut-être certains savent, ma chaîne va bientôt fêter ses 1 an. Et oui, déjà. Donc je me mets le défi. Car je crois qu'elle fêtera ses 1 an, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, donc au début des vacances. Je me mets au défi de vous sortir, de faire en sorte que la vidéo du premier anniversaire de la chaîne soit la 100e vidéo de la chaîne. Je peux vous dire que je vais pas mal bosser pour le faire. Parce que là, je crois qu'on est à 89. Je regarderai. Je vais regarder et je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. Et je crois qu'on est à 89 vidéos. Donc ça veut dire que je dois en poster 11 cette semaine. Je vais en poster 11 cette semaine. Ce qui voudrait dire quasiment faire 2 par jour. Et encore, si 2 par jour. Donc je poste que 6 jours sur 7. Ça m'en ferait 2 ça m'en ferait 2 chaque jour sauf le samedi. Ou 2 chaque jour sauf le lundi. On verra. Et bon, ça veut dire que je vais devoir pas mal bosser. Donc vous aurez peut-être normalement, si tout se passe bien, j'aurai une présentation de The Escapist que normalement j'avais fait pour la seconde chaîne, mais que je vais découper en 2 et que je posterai sur les 2, justement. Quoique je pourrais poster que sur ma chaîne principale pour le moment. Et après, il y aura normalement aussi une petite vidéo. Même pas petite, je vais essayer de reposter la vidéo, ma vidéo de super skill sur AW. Quand je dis super skill, c'est quand j'ai fait mon 29-14 avec ma balle 27. Seuls ceux qui me suivent depuis le début savent que c'est parce que la vidéo a été supprimée à cause d'un problème de ma chaîne. Et j'ai toujours pas compris pourquoi. On m'a toujours pas dit pourquoi. Mais donc j'essaierai de la reposter. Vous aurez peut-être aussi deux épisodes de Soul Silver, un épisode d'Alorich, sûrement, je dis sûrement mais c'est pas sûr, une petite vidéo Minecraft, peut-être une map aventure sympatoche. Et peut-être des parties de League of Legends parce que je me suis remis à fond avec et je suis maintenant dans une équipe. C'est pas encore confirmé qu'on forme une vraie équipe, mais on joue régulièrement ensemble. Donc, par contre, je sais pas s'il y aura les voix ou pas, ça dépendra. Ça pourra varier. Par contre, si je mets pas les voix, ce sera un post commentaire. J'espère que ces vidéos-là vous plairont parce que j'ai vu la première vidéo que j'ai faite sur LOL, vous avez pas mal plu mes post commentaires. Donc maintenant que je joue légèrement mieux, comme je dis légèrement, alors que je joue vachement mieux que ma première vidéo de LOL, qui d'ailleurs je crois a été supprimée. Quelle ironie. YouTube, tu me fais chier. Et donc, franchement, je pense que j'ai pas mal de contenu à préparer. Ouais, pas mal de contenu. Et puis je vous ferai peut-être un rush évolution sur Anno, la version DS, sur Anno version DS. Qui est un jeu qui est très bien pour la console.
qui est un super jeu de gestion. Qui est pas très long à faire. La campagne est super longue. La campagne est longue. Parce que j'ai quand même passé 2 semaines pour faire la moitié de la campagne. Je vais pas 24-24 non plus, mais ça reste quand même assez long. Et franchement, il y a le mode infini qui nous permet de partir de zéro et de tout faire et de suivre l'évolution normale de sa population. Et franchement, ce jeu est très bien fait. Donc, si vous avez des défis à me lancer aussi, après pour les quelques vidéos qui restera pour faire la 5e vidéo, parce qu'après il y aura aussi la vidéo spéciale sans vidéo et un an de la chaîne. Peut-être que j'arriverai à vous faire peut-être que vous voudriez me donner des défis à remplir sur un jeu en particulier. Je vous enverrai et je vous mettrai dans la description de la vidéo. Ouais, dans la description de la vidéo tous les jeux auxquels je peux jouer. Et si vous avez d'autres jeux, sinon si vous avez déjà me conseiller des jeux qui sont gratuits et vous voulez me lancer un défi dessus, n'hésitez pas. Moi je suis preneur. Par contre, les défis, il faut quand même qu'ils soient réalisables. Parce que si vous me demandez de faire un full team sur World of Tanks, c'est assez compliqué et donc c'est quasiment irréalisable par rapport à mon niveau. Mais bon. Et sinon, après voilà. Donc c'est pas encore très bien fixé ce que je compte faire sur cette semaine, mais vous devriez avoir 11 vidéos. Je me mets au défi des 11 vidéos en 6 jours. Donc 10 vidéos en 6 jours, vu que la 11e doit être postée, je crois que c'était le 13 février, je suis pas sûr. Là, je crois qu'en fait j'ai jusqu'au 13 février, et je crois que j'ai 13 jours pour en poster 10. Et le 13e jour, je dois avoir la 11e. Je vais regarder, tiens, justement. Non, je regarderai... Je regarderai après. À la fin de l'épisode. Ah merde, c'est vrai qu'il est seul. Ah merde. C'est bon, il est au 32, donc hop, j'envoie les pétards. Que je l'éclate. Voilà. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une chaîne autre. Il y a une autre chaîne sur laquelle je poste. Donc une chaîne qu'on tient avec un autre ami. Où pour le moment il n'y a que deux vidéos. Ça va faire bientôt un mois qu'elle est lancée. Donc il y a la vidéo de présentation de la chaîne bien sûr, et j'ai fait une petite vidéo j'essayais de faire une petite vidéo troll sur Warface. Donc je prenais une compilation de mes parties, des parties où je faisais un bon score ou que je faisais le rituel du troll. Et oui, pour moi le rituel du troll c'est vraiment sympa. Donc je mettrai le lien dans la description, donc elle s'appelle, c'est la chaîne Espace Gamer. Vous la trouverez pas, vous aurez du mal à la trouver directement parce qu'elle est... Elle est pas dans les premières... Elle est dans les premières pages bien sûr, mais... C'est pas la première de ce nom. Mais bon, j'espère au moins que cette chaîne vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça ferait super plaisir. Et puis... Et puis voilà, donc je verrai peut-être que je vous ferai... je posterai aussi sur cette chaîne-là. Cette chaîne-là, de manière... même si elle est encore limitée au niveau temps de vidéo. Limitée à 15 minutes, comme vous le savez, 15 minutes c'est la limite de temps quand on crée une nouvelle chaîne. Limite de temps vidéo quand on crée une nouvelle chaîne, et c'est... C'est moi où il a bougé l'arbre. C'est bon, il a bougé cet arbre. J'ai dû rêver. Donc, comme vous savez, c'est la limite de temps donnée par YouTube pour les nouveaux YouTubeurs. Tant qu'on n'active pas la limite. Tant qu'on la désactive pas. Donc voilà. Et putain, je vais changer de Pokémon.
Le let's play, Soul Silver, let's play que vous êtes en train de regarder actuellement, il reste quand même pas mal. Je pense qu'il va encore durer pas mal de temps. Je pense que ça va encore tenir 5 ou 6 vidéos le temps que je fasse cet épisode là. Après, il y aura le 7ème badge, même pas le repère de Team Rocket. Après, le 7ème badge. Après, on devrait aller à la tour radio, je crois. Je crois qu'on devrait la faire avant ou avant. Ouais, je crois qu'il y a la tour radio avant de faire le 8ème badge. Après, on a donc le 8ème badge. Après, on a la route victoire et la ligue Pokémon. Donc, je pense. Moi, je parierais sur facilement 5 ou 6 épisodes. Si je me faille pas trop non plus. Il est bizarre ton roi. Les Magikarp, vous dégagez. Je veux pas infliger cette souffrance à mon pharaon. De tuer des pauvres petits magicards. De mes deux. Donc voilà. Par contre, je comprends pas, il est où l'Eliator ? C'est là ? Il n'y a pas d'Eliator rouge. Vous foutez de ma gueule. L'Eliator rouge est pas là. Ça s'appelle du foutage de gueule. Du gros foutage de gueule. Bon, ça veut dire que je dois pas être là, donc c'est à dire que. Bah, c'est la tour radio. Donc, prochain épisode, ce sera la tour radio. Bon, il y a trop de Pokémon. Là, il y en a trop. Là, je suis désolé, il y a beaucoup trop de magique. C'est infaisable, c'est impossible de bouger dedans. C'est impossible de bouger dans cette. Ah, si, il est là! Il est là! Et puis quand il bouge? Depuis quand il bouge le navigateur rouge? Espérons que je vais pas le one shot. De toute manière, non, il a intimidation, donc si j'utilise cage éclair. Cage éclair et point éclair, normalement je devrais pas le one shot, même si je fais du, même si c'est un x4 et que c'est doublement super efficace contre lui. Oh, putain, j'ai eu peur. J'ai commencé à flipper là. Enfin, j'en ai quand même pas le one shot. Voilà, tac. Et maintenant, sac Pokéball utilisé. Et merde. Je viens de me rendre compte qu'en fait, il y avait aussi que OBS recordait aussi ma voix. Au secours, j'ai fait des conneries. J'ai trop fait de conneries là. Il va falloir que je vois pour la vidéo pour essayer de réduire le son. Donc vous aurez peut-être pas de son sur cet épisode. Je tiens à m'excuser, donc je vous mettrai une petite musique de fond. On verra bien. Et bon, voilà. Donc j'ai un Eliator rouge. Tranquille.
Un petit Léviator rouge niveau 30, ça fait du bien. Écaille rouge. Sac. Écaille rouge, c'est quoi? De Léviator apparu au lac Colère. Elle rougeoie comme une flamme. Ok. Ça ne m'apporte rien en fait. Kikupiter. Ce Léviator rouge n'était pas normal. On a beau dire, mais je suis sûr que c'est à cause des manigances de quelqu'un qu'il a évolué comme ça. Es-tu ici à cause de la rumeur? Tu es d'exorte. Je suis Peter, un dresseur comme toi. J'ai eu vent de certaines rumeurs et je suis venu faire mon enquête. Au fait, je t'ai vu combattre dehors. D'exorte. On peut dire que tu manques. J'arrive plus à parler. Calme-toi, on reprend. On peut dire que tu ne manques pas de talent. Que dirais-tu de me prêter main forte? Excellent! On dirait que quelque chose force les Magikarpes du lac à évoluer. Je crois qu'il s'agit d'un mystérieux signal radio en provenance d'Akajou. Et puis, il y a cette étrange boutique de souvenirs. D'exorte, je pars devant. Retrouvons-nous à Akajou. Ça, c'est stylé. Ce mec est tout juste stylé. Donc, 400, hop. Vol. Vas-y, Rocoops. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je le fasse évoluer. Ah, parce que là, j'ai tous mes Pokémon qui ont évolué, quasiment tous qui sont à l'évolution max. Donc j'ai Léviator qui a l'évolution max, Gravalanche évolution max, parce qu'il faut un échange pour avoir un Grolem. Et donc ça, je peux pas le faire. Et Pharon qui est évolution max, et après il reste plus que Ferrisson et Rookups. Et bah putain, ça m'en fait du boulot. Mais bon, moi je vous dis que c'est sur ce que se termine. L'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis vraiment amusé à faire cette vidéo. Et puis, on se dit à une prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!